marche. Ça marche, mais c'est trop bien. Je le savais que ça marcherait. D'ailleurs, les amis, c'est trop bizarre. On voit même l'ombre, mais on ne voit rien d'autre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui promet d'être juste géniale. Les amis, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais testé dans Brookhaven ni dans Roblox. Alors, juste avant de commencer, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo. Et si jamais vous aimez mes vidéos hacks, astuces, etc. dans Brookhaven et dans Roblox, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez plus, abonnez-vous, venez nous rejoindre pour ne rien rater. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés parmi nous. Et encore un immense merci à tous mes abonnés fidèles. Vous le savez, je vous love. Bon, allez, c'est parti, je vous explique tout, les amis. J'étais en train de me balader sur TikTok, comme beaucoup d'entre vous et comme ça m'arrive souvent. Et je suis tombée sur ce TikTok. Alors, je vous le mets sur le côté, je vous laisse le regarder, les amis. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, encore un TikTok qui est encore super bien monté, qui est bien fait, mais qui est probablement fake. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus, que tout ça était fake et que ça ne marche pas. D'ailleurs, je vais vous le montrer, les amis, en direct. Regardez ça. En fait, la personne dans le TikTok fait croire qu'en écrivant point virgule et invisible dans Brookhaven, eh bien, on devient comme par magie invisible. Mais vous le voyez, bien sûr, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas comme ça. Il a probablement dû faire un montage et il a eu des millions de vues avec ça, les amis. Je vous le remontre, je vais l'essayer en majuscule, comme ça vous verrez bien que ça ne marche ni en minuscule ni en majuscule, les amis. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est que dans les commentaires, comme je vous le disais, j'ai vu plein de commentaires de personnes déçues, dont beaucoup de personnes qui parlaient français, et je me suis dit, attendez, ok, il a fait du montage, mais à un moment donné, il a quand même été invisible. Et du coup, les amis, je me suis dit qu'il y avait probablement un moyen qui marche et qui permettait de devenir invisible dans Brookhaven ou dans Roblox, et je me suis mise à la recherche de ce moyen, et je me suis dit que comme ça, au moins, j'allais pouvoir le partager, et s'il y avait d'autres personnes qui parlaient français et qui recherchaient ça, eh bien, elles pourront le trouver sur ma chaîne. Et lors de mes recherches, les amis, je suis tombée sur cette chaîne, justement, une chaîne américaine. Vous le savez que moi, les amis, je vous cite tout le temps les personnes qui m'inspirent. Donc là, il s'agit d'une youtubeuse qui s'appelle Idachi. D'ailleurs, je vais tout de suite m'abonner à sa chaîne. Je l'ai découverte en faisant mes recherches. Et sur sa chaîne, les amis, il y a cette vidéo qu'elle a publiée il y a 3 semaines de cela. Et le titre, c'est « Vous pouvez de nouveau devenir invisible dans Roblox. Faites vite pour tester. » Par contre, sa méthode a l'air assez compliquée, hein, bien plus compliquée que le point virgule et invisible. Et on va tout de suite l'essayer ensemble. Alors la seule chose que je sais, les amis, au moment où je filme cette vidéo, c'est que sa technique marche, parce que je suis quand même allée voir dans ses commentaires et il y avait plein de personnes qui lui disaient « Ça marche, c'est trop bien, c'est trop bien. » Et vous le voyez, elle est devenue tellement invisible qu'elle a même pu se déguiser en cheval ou en otarie. Donc voilà, c'est trop trop cool. J'espère que moi aussi, je vais réussir à faire comme elle. Et apparemment, les amis, c'est un hack qui marche dans n'importe quel jeu Roblox. Alors c'est parti, je vous propose qu'on teste ça ensemble. Moi, j'espère déjà que ça va marcher dans Brookhaven, parce que franchement, ça va beaucoup me faciliter la vie pour cambrioler les maisons, les amis. Imaginez ça, ça va être beaucoup trop cool. Je vais encore faire plein de challenges. Donc c'est parti, on va quitter Brookhaven, mais on va y revenir, les amis, juste après que j'ai suivi les différentes étapes qu'elle indique. Donc on va déjà commencer par retirer tout ce que j'ai sur mon avatar, les accessoires, les cheveux, les vêtements, etc. Je vais même retirer mon visage et voilà qui est fait. Donc ensuite, les amis, on va retourner dans la boutique et je vais commencer par rechercher The Gnomsky. The Gnomsky, je sais pas trop. Les frères Gnomsky sont juste là. Par contre, attendez, ça c'était pas prévu. Je n'ai pas vu ça dans sa vidéo. Ça coûte 400 Robux. Regardez ça, les amis. Est-ce que franchement, vous croyez que j'aurais acheté quelque chose comme ça si ce n'est pas pour tester ce hack qui permet d'être transparent? Les amis, je sais que vous allez me dire en commentaire, Maeva, rip tes Robux. 400 Robux, c'est très cher. Oui, c'est vrai, les amis. Mais j'ai vraiment envie de tester ce hack pour vous. Et tant pis, si ça ne marche pas, eh bien, j'aurais perdu mes Robux. Mais au moins, j'en aurai le cœur net. Ensuite, elle dit qu'il faut porter les deux jambes de cet ensemble, en fait. Donc, ok, j'achète ça, 400 Robux, juste pour utiliser les jambes. Bon, c'est pas grave, les amis. Ensuite, on retourne à la boutique. Et cette fois-ci, je vais devoir rechercher Nick Bass. Là encore, les amis, c'est un ensemble qui coûte 250 Robux. Non, mais regardez ça. C'est encore pire que le précédent. Est-ce que vous avez déjà vu des joueurs avec ce skin, les amis? Il y en a peut-être, mais moi, ce n'est vraiment pas mon style. Tant pis, 250 Robux, je vais quand même l'acheter. En espérant vraiment, les amis, que ça marche. Parce que si ça marche, si j'arrive à être transparente, eh bien, je ne regretterai aucun Robux dépensé dans ce hack. Par contre, si ça ne marche pas, j'aurais perdu des centaines de Robux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre les deux bras de cet ensemble. C'est vraiment très très bizarre. Et il faut mettre également le torse. Les amis, je sais, je ne ressemble à rien pour l'instant, mais c'est pour la bonne cause. Je crois
qu'on est tous d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas terminé. Il va falloir que je recherche Simple Black Cloak Cape. Donc c'est une cape noire qui coûte encore des Robux. 70 Robux, c'est parti, on va l'acheter les amis. Pour l'instant, franchement, je ne sais pas du tout où ça va me mener. J'espère que les commentaires que j'ai lus sous sa vidéo avaient raison et que ça va vraiment marcher. Il y a vraiment des gens qui ont dépensé tous ces Robux pour tester ce hack les amis, qui n'en étaient même pas sûrs. Donc c'est bon, ça c'est fait les amis, je ne sais pas du tout quoi en penser. Mais à ce stade, voici à quoi je ressemble. C'est déjà mieux que juste avant. C'est beaucoup mieux avec la cape qui cache tout l'accoutrement que j'ai en dessous. Donc ensuite, il va falloir que je recherche Black Fancy Prom Dress. Elle est juste ici. 70 Robux, les amis. Je vais l'acheter. Je vais bien sûr la porter. Oh my god, oh my god, oh my god. Les amis, ça marche. Ça marche. Non mais... j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je l'achète et je la porte. Ça, c'est sûr et certain. Non mais, les amis, ça marche vraiment. Je ne sais pas par quel miracle ça marche, mais je peux vous promettre que ça marche. Par contre, je ne sais pas si ça en vaut la peine, les amis. Je crois que j'ai dépensé autour de 1000 Robux. Je ne sais pas trop, je vous mettrai ça à l'écran. C'est hyper cher pour être invisible, mais au moins, j'ai testé ça, les amis. Alors oui, par contre, moi, je n'ai pas la tête invisible, les amis. Je crois qu'avant, on pouvait acheter ça, l'option d'invisibilité de la tête. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter ou si c'est beaucoup trop cher. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, les amis. En tout cas, elle avait l'option pour avoir la tête invisible et c'est la raison pour laquelle elle était complètement invisible, alors que moi, même si tout mon corps est invisible, ce qui est déjà génial, on est d'accord, on voit quand même ma petite tête. Bon, c'est pas grave les amis, franchement je suis déjà fan de ce hack. Attendez, on va juste essayer comme elle avec le petit cheval, le mini horse Henry, et on va voir ce que ça donne. Ça fait un peu bizarre les amis, on voit vraiment ma tête qui est en lévitation sur le cheval, alors que elle, grâce à sa tête invisible, elle s'est complètement transformée en cheval. Franchement les amis, je valide cette technique, je valide cette vidéo. Encore merci à cette youtubeuse de nous avoir donné ces astuces juste incroyables. Du coup, ce n'est pas fini les amis, parce que ce n'est pas tout d'être invisible. Maintenant, il va falloir que j'en profite dans Brookhaven. Et je compte bien en profiter les amis. Préparez-vous à voir plein de vidéos dans lesquelles je vais être invisible. D'ailleurs, si vous avez des challenges par rapport à ça, à me lancer des défis, n'hésitez pas à le faire en commentaire les amis. Vous le savez, j'adore relever vos défis. Attendez, j'étais complètement transparente au début. Et maintenant, je suis comme ça, on voit quand même la cape. Je suis sûre qu'il y a une solution, les amis. Je sais qu'on va y arriver, elle y était arrivée. On va peut-être diminuer ma taille. Ça donne quoi si je diminue ma taille? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, regardez ça, c'est trop bizarre. Non mais regardez ça, ça a la forme d'un cœur. Les amis, ce cœur, il est pour vous tous. Non mais c'est trop beau, c'est trop mignon. Oui, je sais, c'est très très étonnant. Il doit se demander comment est-ce que j'ai fait ça. Moi aussi, je ne sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait ça. Je suis censée être complètement invisible. Les amis, on va trouver la solution. C'est sûr et certain, puisque ça marche, hein, ça marche à 100%. La maison de Monsieur Brookhaven. Attendez, je vais vite essayer de cambrioler la maison de Monsieur Brookhaven. On ne sait jamais. Il y a peut-être des indices sur l'enquête. Imaginez-vous, les amis. Attendez, vite, vite, vite. Mon sac de couchage, il a enlevé sa maison. Oh non, j'arrive pas à y croire. Attendez, c'est quoi cette maison? Les amis, c'est la maison de Mercredi Adams. Non mais j'arrive pas à y croire. On a carrément une star dans ce serveur. Regardez-la. Et comme d'habitude, elle n'a pas l'air très contente avec la chose sur son épaule. Vous pensez qu'elle le prendrait comment si j'essayais de la cambrioler? Les amis, j'ai un petit peu peur, mais tant pis. Je vais prendre le risque. Vite, 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 vite. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire. Elle me fait hyper peur. Vite, vite, vite. Elle est là. Les amis, elle est là. Elle m'a suivi. Elle est repartie. Elle me laisse cambrioler son coffre-fort tranquille. Mais elle est géniale cette Mercredi. Et voilà, j'ai l'argent. Alors Mercredi, tu vas faire quoi? Dis-moi tout, tu vas faire quoi? Eh bien, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Les amis, regardez ça. Non, mais je suis beaucoup trop bizarre avec cet accoutrement. Attendez, regardez ça maintenant. Regardez comment je respawn avec l'accoutrement encore plus bizarre. Je vais remettre ma tenue d'invisibilité. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Les amis, ça marche! Ça marche! Mais c'est trop bien! Je le savais que ça marcherait. Bon, par contre, je ne dois pas sauter parce que si je saute, on voit la petite cape qui est en dessous. D'ailleurs, les amis, c'est trop bizarre. On voit même l'ombre, mais on ne voit rien d'autre. J'aimerais tellement avoir la tête invisible aussi. Il faut absolument que je trouve le moyen de le faire, les amis. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais c'est trop génial! C'est beaucoup trop génial! Je suis fan de ce hack. On va aller au commissariat. Je vois qu'il y a quelqu'un.
D'accord, il est probablement en AFK. Est-ce que je peux m'asseoir sur le fauteuil? Oui, les amis, je peux carrément m'installer ici. On dirait une tête volante comme ça qui travaille dans le commissariat. C'est beaucoup trop bizarre, mais j'adore. Bon, allez, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant que j'ai trouvé le moyen d'être invisible, ou presque, on va y retourner, les amis. Elle est là. Mercredi, elle est là. Non, mais elle m'a banne de chez elle, juste en face. Et elle essaye par tous les moyens de rentrer dans cette maison. Mercredi, tu es au courant que ce n'est pas chez toi? Chez toi, c'est juste là, regarde. Tu sais, tu m'as banne. Tu t'en souviens? Bon, en même temps, je l'ai volé, hein. C'est un petit peu normal. Bon, allez, je vais lui montrer comment faire pour rentrer. Je vais en profiter pour cambrioler cette maison. Oui, je sais, je suis incorrigible, mais je ne peux pas m'en empêcher, les amis. Surtout maintenant que je suis invisible et que les gens vont avoir encore plus de mal à me ban. Ça va être trop génial. Regardez ça, les amis. Non, mais c'est beaucoup trop cool. Il ne m'a même pas ban. Il devait se demander qu'est-ce que c'est que cette chose volante qui est rentrée chez lui. Les amis, regardez ça. J'ai son argent. Il est où? Il est là. Il est devant la porte. J'ai volé ton argent. T'es au courant? Les amis, il a une petite licorne sur l'épaule. Il aime trop les licornes comme moi. J'aurais pas dû le voler. J'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est mercredi. Elle est rentrée par effraction, les amis. Mercredi, tu sais que tu n'es pas chez toi. C'est juste en face. Oh là 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 là, elle n'a pas l'air contente du tout, les amis, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mercredi, tu devrais t'éloigner un petit peu du feu. Tu me fais très très peur. On a quelqu'un d'autre qui vient nous rejoindre. Tyler, c'est peut-être lui? C'est peut-être Tyler. Mercredi, t'as vu qui était là? Mercredi, range ta hache, s'il te plaît. Tu me fais super peur avec ta hache. Tyler, tu sais que l'argent ne va pas te sauver, hein, t'es au courant? C'est bon, les amis, elle a rangé sa hache. Elle m'a fait super peur, elle m'a fait trop peur. Ok, elle aussi a beaucoup d'argent, on a compris. Ils ont tous les deux beaucoup d'argent. C'est super pour eux. Maintenant, c'est le marteau. Ouf, elle a rangé le marteau aussi. Elle me fait trop peur, cette mercredi, les amis. Elle est vraiment flippante. Par contre, je vais essayer de devenir un petit peu plus petite pour voir ce que ça donne cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors maintenant, cette chose très bizarre n'a plus la forme d'un cœur, mais la forme d'une feuille. Non mais regardez ça, les amis, est-ce que vous avez déjà vu ça dans une autre vidéo? Je crois qu'il n'y a vraiment que sur ma chaîne qu'on voit ce genre de choses trop bizarres. Je ne sais pas comment est-ce que je fais pour me mettre dans des situations pareilles à chaque fois. Non mais c'est trop, attendez, je vais récupérer ma taille parce que tout ça est un petit peu trop volumineux. Et voilà qui est fait. Alors lui, les amis, le propriétaire, il est juste adorable. Il voit tout ce monde chez lui et il ne banne personne. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des personnes comme ça. Et du coup, regardez-moi l'ambiance dans cette maison. Ah tiens, je crois qu'on a même une nouvelle invitée, Elsa. Et bien voilà, les amis, pendant que tout le monde rentre et sort de chez lui, lui, il passe tranquillement l'aspirateur. Je crois qu'Elsa veut déjà nous quitter. Elle n'arrive pas à sortir. Elsa, il faut mettre le sac de couchage dans l'autre sens si tu veux sortir. Attendez, les amis, je vais l'aider, la pauvre. Regarde, Elsa, tu mets le sac de couchage dans l'autre sens et là, au moins, tu peux sortir. Et voilà, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est quand même dommage que tu partes. On était bien tous ensemble dans cette maison, c'était trop cool. Et voilà, Elsa a réussi à sortir. Du coup, les amis, moi aussi, je vais sortir de là parce que j'aimerais tester une autre chose avant de vous quitter, les amis. J'aimerais savoir si ce hack, si le fait d'être invisible, eh bien, ça fonctionne dans d'autres jeux que Brookhaven. Donc, c'est ce qu'on va tout de suite vérifier ensemble. On va essayer par exemple dans Livetopia et regardez ça les amis, ça marche hyper bien, ça a fonctionné directement. On va partir de là et on va essayer dans Good Girls Sorority et regardez ça les amis. Là par contre on se retrouve avec la cape comme au début dans Brookhaven, c'est un petit peu dommage, mais je vais quand même aller voir au niveau des vestiaires la réaction des filles. Les amis, vous savez quoi, je vais même aller défiler. J'espère vraiment qu'il y a des juges qui sont en place pour savoir quelles notes ils vont me mettre. Oui, ce n'était pas prévu les amis, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est pareil, c'est comme les cambriolages dans Brookhaven, il y a des juges, les amis. Il y a des juges. Alors, quelle note est-ce que vous allez me mettre? 1000? Les amis, elle me met carrément 1000. L'autre me met 0. Ok, ça fait quand même une bonne moyenne. Mais les amis, regardez ça. En fait, la cape et la tête suspendue, ça passe ou ça casse. On va continuer. On va faire un dernier jeu, les amis. Berry Avenue, par exemple. Vous êtes très nombreux à me demander de tester ce jeu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai peut-être un jour. Et ça marche également ici, les amis. C'est juste incroyable. Je suis beaucoup trop contente. Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, encore une fois, j'ai adoré la faire. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye les amis!